pas du tout ça. What? Masque. Laquelle tu préfères? La noire, la blanche? Les deux, mais dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Ben, ça va, stresse pas. Tu te maquilles pas? Je suis déjà maquillée. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu d'attention. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être tous là pour David et Esther. Je regrette que mon mari, mon cher Joseph, que Dieu ait son âme, ne soit pas parmi nous aujourd'hui. Mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous protège. Je ne vous cacherai pas que nous sommes très en retard sur les préparatifs. C'est une tradition dans la famille. Et dans exactement un mois et demi, David et Esther seront unis pour la vie. Que Dieu fasse qu'ils aient beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Dis donc, t'en fais une drôle de tête aujourd'hui. Je suis insomniaque en ce moment. Toi? Pourquoi? Ça vous arrive jamais? Toutes les nuits, depuis au moins 30 ans. C'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose là-dedans. Allez, va prendre un petit café. Et arrête de penser. Je crois que t'as la cote avec la nouvelle. Comment elle m'a parlé de toi. Il est tellement gentil, tellement attentionné. Et en plus, il est tellement beau. Disons, je sais pas ce que tu lui as fait, mais à mon avis, c'est où tu veux, comme tu veux. Dans un mois et demi, je me marie, mon pote, c'est fini, tout ça. Et alors, dans un mois et demi? C'est fini, je te dis. Oh, putain.
Putain, t'es trop fort. Faudra que tu me donnes ton truc pour toutes les faire craquer comme ça. Pourtant, t'es pas si beau gosse que ça, toi, finalement. Bonjour, docteur. Bonjour. Fini, espèce de salopard. Je croyais que tu voulais changer d'air. Hein. Rencontrer des gens nouveaux. D'accord, mais pas un soir de championnat. Regarde, y a personne dans la rue ce soir, ils sont tous devant le match, là. T'exagères. Oh merde, je croyais que tu oubliais le code. T'as pas ton portable? Le mien est déchargé. C'était une vraie galérienne, Esther, on dirait ta soeur. Putain, je savais qu'il fallait pas que je bouge, moi, ce soir. Hein. Bon, allez, vas-y, donne-moi son numéro, là, parce que... Mais bon, ça va, laisse tomber, moi, je me casse. Ça va. David! Non, mais ça va, écoute. Regarde! Bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Ben, dis donc, avec toi, 9h, c'est pas 9h05. Je te présente David. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je te donne le guacamole. Entrez. Bud, Esther, David. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, vous voulez boire quelque chose? Non mais franchement, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Hein? Je vais pas me gâcher la vie pour un mec qui est pratiquement jamais là, qui passe son temps à se trouver beau, à boire, à parler de gros seins et de moto, non? Si encore il se levait tôt, hein? Ou qu'il m'aidait à payer les courses, mais non. Et les poils dans la baignoire? Le tien, il laisse pas traîner ses poils dans la baignoire partout? Non, pas vraiment. Je vais exprès de les laisser pour voir s'il va les nettoyer. Rien. C'est leur côté enfant, ça. Ils attendent que maman passe derrière eux. Elle est peut-être préoccupée. Mais oui, c'est ça, oui, préoccupée par le cul. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre, hein, qu'il se tape d'autres nanas. Vraiment rien à foutre. Je suis pas jalouse. Seulement, je veux une chose, c'est qu'il me respecte. Carrément. De toute façon, je vois pourquoi je m'acharne. Un signe d'eau et un signe d'air, ça peut pas marcher. Oui, bien sûr. C'est bien, ça. Oh là là, c'est vraiment un sport de tarlouse, le foot. Pardon? Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que je reviens de New York et les mecs, c'est des vraies bêtes. C'est incomparable. Elle dit des trucs hallucinants. Par exemple, moi, j'ai besoin d'un mec qui me sécurise. Je suis faite pour la stabilité, c'est elle qui me l'a dit. Et par contre, toi, t'as de la chance, t'as rencontré l'homme de ta vie. Oh, excuse-moi, c'est mes cartes des anges. Qu'est-ce que c'est? Quand t'as une décision à prendre, ou tout simplement quand t'es complètement paumé, tu tires une carte au hasard et ça t'aide à faire un choix. Pratique. Arrête, c'est pas des blagues. Le jour où tu tombes sur la carte blanche, ça veut dire que c'est à toi de prendre une décision toute seule. Et moi, ça m'arrive jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Rien. J'en ai marre de ce truc. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai ça. Ça me fait trop flipper. Mais attends, mais t'as besoin d'aide? Non, ça va. Non, mais je vais chercher David, il va t'examiner. Non, c'est pas la peine. Ça va mieux. T'en es sûre? Ouais, ça va mieux. Non, c'était un mariage. On était placés à la table des mariés. Je crois que d'ailleurs la mariée, elle avait une petite idée en tête. En fait, je crois que je lui faisais peur. Hein? Je t'intriguais, non? Faut dire que j'ai rien à voir avec ses anciennes petites copines. Rien à voir. Et là, il m'a dit un truc très bateau. Du genre... T'as de très beaux yeux. Bah, t'as craqué, là, attends. Oh, wow, t'exagères, j'ai craqué. Si, t'as craqué. Oh là là, trop classe. Bon, en tout cas, nous, je peux le raconter? Ouais. Bon, on va démarrer par Los Angeles. Après, on va se faire la traversée du désert du Nevada à moto. Bon, ça, c'est un kiff perso. Et puis, pour finir, bon, bah, le top, quoi. Le mariage à Las Vegas. Ah, mon bébé. Ouais.
Oh, quel blaireau ce mec, écoute. Et elle, tu l'as trouvé comment? Hein? Comment tu l'as trouvé, elle? J'aime pas du tout ce genre de nana avec son tatouage bidon, là, écoute. T'as quand même remarqué son petit tatouage, hein? Hein? Ouais. C'est bizarre, je suis pas copine avec une fille comme ça, vous avez aucun rapport. Oui, mais moi je l'aime bien. Elle m'inspire pour écrire. Encore? Tu t'acharnes? Je m'acharne pas. Je travaille. D'accord, mais tu sais très bien qu'en principe, quand ça accroche pas comme ça, faut passer. Oui, je sais, faut passer à autre chose, tu me l'as déjà dit. T'es vraiment un sceptique maladif, hein, t'es pire que ma mère. Je suis réaliste, chérie. C'est ce que je dis, t'es comme ma mère. Au fait, j'ai donné ton numéro à Maya. Elle a un problème pour respirer. J'ai bien fait, non? Mais je suis pas spécialiste, moi. T'es médecin. C'est quoi, ça? Les cartes des anges. Un cadeau de Maya. Ça aide à diriger ta vie. Tu vas pas me dire que tu crois à ces conneries, non? Jette-moi ça. Moi, je crois que ça peut aider quand on se pose trop de questions. Et qu'on ne sait plus où on en est. Arrête de te poser les questions. Et commence par ranger tes affaires. Comment je vais faire pour passer ma vie avec une femme intello et bête à la fois, hein? C'est pas possible, ça. T'es une intello bête, mon amour. C'est toi, la grosse bête. J'aime pas ici, ma petite biche innocente. Oui, mais... la petite biche. Allez, il est... Là, maintenant, là. Que les forces angéliques me soient propices et veillent sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu médites? Il te plaît bien, le mec, là, hein? Quel mec? Quel mec? David. Le mec de ta nana, là. Hein? Écoute, je vois pas ce que tu racontes. Tu vois pas ce que je raconte? C'est quoi? C'est son côté tout bip sexy qui te met en transe, ou alors son côté grosse bagnole? Ouais, c'est ça. Vas-y, allez, arrête, ne fais pas chier. T'as pas une moto à réparer ce soir? Non. Chante. J'ai pas envie. Allez. Allez! Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ah ouais, vas-y, continue, continue. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Non, vas-y, fais-le sérieusement, s'il te plaît. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Là, ça me plaît, là. Vous êtes déjà là? Je suis désolée, mais j'avais un rendez-vous très très important. Et puis bien sûr, ma secrétaire n'était pas là pour vous recevoir. Je suis désolée. Je vous trouve un peu pâlote tout de même. Votre mari ne sait pas que vous êtes là, bien entendu. Je ne suis pas encore mariée. Moi, c'est la même chose. Vous avez fait des études? Lettres.
Z. Pardon? Le prénom de l'homme de votre vie commence par la lettre Z. C'est évident. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Allez-y, écoutez. C'est bon pour le bangala. L'appétit sexuel. Oui. Oui. Ah non, on n'avait dit pas d'enfant avant l'année prochaine. Ben, ne faites pas cette tête-là. Vous ne serez pas la première à prendre un amant. Un amant? Ben non, pas vous. Ben vous, je vous avais dit de faire attention. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Oui, ben comme vous voudrez, ma chérie. Vous me rappelez, comme ça on prend un autre rendez-vous quand je serai moins débordée, là. Parce que je suis débordée, là. Oui, 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 oui. Très fort, hein? Ah ça, c'est les fourmis rouges, le secret de ma voyance. J'adore. Ça dégage totalement les pensées. Oui, 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 oui. Oui, je suis là. Hé, hey, ma chérie, bah, c'est 50 euros. Ah oui, oui, bien sûr. Un chèque, ça ira? Vous auriez pas un peu de liquide? Je préfère. En dépit de l'intérêt que nous avons porté à votre roman, celui-ci ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Gna, 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 gna. Très élégant. Hutzpedisch. De toute façon, ces abrutis n'ont rien compris. Enfin, c'est leur affaire. Vous êtes gentil. Bonjour tout le monde. Bonjour ma fille. Salut. Tiens, je t'ai pris un pastrami. Super. C'est quoi cette tête? Encore un éditeur à côté de la plaque? Non, mais c'est moi qui suis à côté de la plaque. Allez. Oh, mais attends, j'ai pas fini de ranger, là. Mais c'est deux minutes. Vous n'allez tout de même pas manger dans la rue. Au revoir, monsieur Jules. Oh, c'est très mauvais pour la digestion, ça. J'ai envie de tout laisser tomber. C'est bon, on arrête d'écrire pour vivre. Vive pour écrire. Mmh. Facile à dire. Bon, et toi, t'en es où? Ben, disons que financièrement, c'est un peu tendu. Mais je m'éclate. Je remplace une copine chanteuse à la Cave des Lombards. Bon, il faut que tu trouves un job en plus. Je cherche, je cherche. T'as arrêté de fumer des joints toute la journée? Ah oui, oh, c'est l'interrogatoire ou quoi? Ça va, j'ai pas fumé depuis au moins hier. Alors? Oh, c'était génial. Une vraie bête, le mec. On a baisé, mais tout le week-end. Vas-y. Vous êtes dingue. Donne-moi son number, je l'appelle. Oh, ça va, calme-moi, j'ai déjà filé à Nathalie, de toute façon. Alors. Bon, bah, vas-y, raconte. Attends, mais j'ai jamais ressenti ça avant, mais tu peux pas savoir. Et puis après l'amour, le mec, il m'a regardé comme ça. Ouais. Et il m'a juste dit, tu vois, bébé, je reviens de New York. Oh, non. T'as vachement de talent, tu te sers vachement bien de ton corps. Oh, la chance, putain. T'es in love? Ah, non! T'es in love? Non. Quoi? Bah, y a quand même un petit truc bizarre dans le... Tu veux, pour qu'il réussisse à la... À quoi? Ben, tu comprends, quoi. Ah ouais. Il m'a demandé de lui chanter, je ne reconnais plus personne à Harley Davidson. Je te crois pas. Je te jure, c'est un peu bizarre, hein? T'as chanté? Oui. Je ne reconnais plus personne à Harley Davidson. Ta-da-dum, ta-da-dum, ta-da-dum. Je ne reconnais plus personne à Harley Davidson. Ta-da-dum, ta-da-dum. Aïe, yo! Mais ça va pas, non? T'as rien. Le mariage, t'es toujours décidé? Tu plaisantes, hein? Maman est en train de tout organiser. Bah et alors, c'est maman qui se marie ou c'est toi? Oh, à ton avis. Eh, mais moi, je veux juste que tu sois heureuse, hein, c'est tout. Oh, quel regard! Non, mais attends, mais dis-moi que je rêve, là. Non, tu rêves pas. C'est une vraie déesse, cette meuf. Ouais, bah, une déesse aux épaules bien carrées. Faut absolument que je me trouve une princesse ou un prince pour cette nuit. Hein. Et pourquoi pas un crapaud? Ah d'accord, alors juste il se transforme en prince quand je l'embrasse. Tu sais, hein, le sentiment amoureux ignore le sexe du partenaire, la religion, la couleur. Tiens, peut-être qu'elle peut t'aider parce que moi j'abandonne.
Ita voyance pure. Attends, toi, tu consultes les magiciennes maintenant. C'est possible. Eh, mais tu sais que c'est interdit chez nous, ça, ma fille. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? J'ai craqué. Ça fait pute. Pute? Et les punis viennent faire le grand serment sur l'autel imbibé de sang. Nous jurons de ne pas recommencer. Si nous recommençons, nous demandons à notre Hauka de nous punir par la mort. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les Hauka soient possédés. Cette moto de merde qui m'a lâché, j'y crois pas. Les punis sont conduits hors de la concession. Il faudra qu'ils soient possédés. En plus, j'ai un rendez-vous super urgent, je dois retracer direct. Mais bébé, tu bossais pas toi, soir? C'est quoi ça? Quoi? Ça? Bah, je vois, c'est des cheveux. Ouais. Des cheveux de ta collection. Tiens, viens. La part de ta copine, la poufiasse brune. Qu'est-ce qui te prend, bébé? C'est quoi ce délire là? Elle lave son linge au même endroit que moi. Elle serait pas du quartier par hasard? Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Mais je sais de qui tu parles, c'est une mytho, putain, j'en ai rien à foutre de cette meuf! Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai besoin de toi, moi? Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, alors dégage! Hé, hey, bébé, je vais t'expliquer, calme-toi! Pars-toi de chez moi! Mais ça va, c'est quoi, ça? Non, ça va pas! Je suis beaucoup plus intelligente que tu crois, alors c'est pas la peine de te foutre de ma gueule! Pars-toi! Bébé, putain, je me fous pas de ta gueule, arrête! Je croyais qu'il y avait pas de jalousie entre nous! Pars-toi. Ouais, je m'en bats. Tu le regretteras, hein. Moi qui te l'ai dit. Ça à côté. Voilà. Bonjour. Adam? Esther? Non, c'est... C'est fou! C'est dingue! Ça fait des années que je suis pas venue ici. Tu sais qui j'ai revu? Non. Tu te souviens le prof de gym qui sifflait tout le temps? Voilà. Merci. Merci bien. Et est-ce que tu te souviens d'Emma? Celle qui couchait avec tous les mecs. Ouais. Eh bien, on s'est mariés et on a eu un petit garçon. Ah. Mais on vient juste de divorcer. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ben, rien de spécial. Elle écrit un roman. Depuis toute petite, elle a ça dans le sang. C'est pas vrai. Et t'as publié? Ben, disons que je me suis fait jeter toutes les boîtes d'édition, mais voilà, quoi. Et toi? Ben, tu vas rire. Je suis lecteur chez Kalman Levy. Non, tu me fais marcher, là. Non, non, je te jure, c'est vrai. Mais c'est fou. C'est dingue. Bonjour. Ah, c'est ma petite sœur.
Adam. Tu te rappelles d'Adam, on était en seconde ensemble. Adam, le chouchou de la maîtresse. Celui qui voulait devenir rabbin ou chanteur triste. Eh ben, t'as pas changé, hein. Merci. Attends non plus, hein. Ça va, monsieur Jules? Elle est mignonne, hein. Ouais. Bon. Ben, je vais vous laisser. D'accord. Ben, je sais pas, écoute... Si t'as un manuscrit à me faire lire, je peux peut-être essayer de te brancher. D'accord. Je peux te joindre quelque part. Ah oui. Il est lecteur chez Calman Levy. Pardon. Merci. Voilà, merci. Il y a mon portable et il y a aussi mon bureau. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, on s'appelle, hein. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je crois que je t'ai trouvé ton prince charmant. Ton fameux crapaud. Tu te fous de moi. Et s'il y a quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas à me demander, Madame Robert. Vous êtes tellement gentille. Merci, docteur. Je peux te parler deux minutes? Tu vois, le genre Angelina Jolie, tu vois, mais alors, en plus, et mais en même temps, elle a l'air un peu moins, enfin bref, elle veut absolument te voir, toi. Puis alors, elle est vraiment, tu vois. Oui, oh. Ça va, j'ai compris, écoute. Comment elle s'appelle? Maya, je sais plus comment. Merde. Oh, j'en étais sûr, tu te l'es faite. Oh putain, t'es trop fort, parce que là, elle est vraiment, là, on est dans la grosse bombasse, là. Ferme-la, alors, s'il te plaît. Et dis-moi, est-ce qu'elle t'a, Mais ferme-la maintenant, s'il te plaît. Oh putain, t'es salopard, là. Par la bouche. Moins fort. Qu'est-ce qu'il y a? Ça chatouille. À mon avis, la solution pour t'aider à décrocher du Lexomil, c'est les antidépresseurs. Il y a aussi d'autres possibilités. J'ai pas de chance. J'ai jamais eu de chance. Toi, Esther, vous avez de la chance. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est toujours pareil. J'ai toujours eu la poisse. Je suis née sous ces mauvaises étoiles. Mais n'importe quoi, Maya. Je sais pas pourquoi tu dis. Esther, c'est ton idéal. Et moi, je suis ton fantasme, c'est ça? Et tu préfères que je sois ton idéal ou ton fantasme, hein? Tu me rends fou, toi. Tu me rends dingue. Attends, pour moi, c'est très important. Alors, on va dire que t'es mon fantasme idéal? Oui. On peut pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Oh. T'as raison, on est en train de faire une grosse connerie. Tu me protégeras. Bien sûr, je te protégerai. Oui. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Des galettes de tofu? Encore? On va pas se taper un bon steak frites pour une fois, là? Merde! Oh, Maya, tu fais quoi? Putain, allez, dis donc! Je suis dans la merde. Je suis bonne acheter, Charlotte. Ouais, bah toi, je sais pas, mais ton t-shirt, c'est sûr. Putain, mais comment j'ai pu faire ça? Mais t'as glissé, c'est tout, c'est pas grave, ça va. Tu non, mais c'est pas vrai, je suis une vraie salope. J'ai baisé avec lui, tu te rends pas compte? Non, là, ça devient intéressant. Vas-y, balance.
Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Déjà, tu réponds, là, ça me stresse. Allô? Oh, Esther. J'aurais te parlé de quelque chose super important. Quitte pas, j'ai un double appel. C'est quoi, ça? Pourquoi t'as deux doubles appels? C'est quoi? Allô? Ouais, c'est moi. C'est lui. Faut absolument que je te vois, Nadia. Excuse-moi, je te reprends tout de suite, mais j'étais déjà en ligne avec... avec... une copine. Allô, David? Esther? Qu'est-ce qu'il y a là? Je te dérange? Tu veux que je te rappelle ou quoi? Non, c'est pas du tout ça, mais je suis au resto là et je t'avouerais que c'est un petit peu la folie alors. Oui, bon, écoute, je suis allée voir ta voyante là, Ita. Bon, je te raconterai les détails plus tard, mais j'ai pas tout compris, mais bon, elle est un peu à côté de la plaque. Mais elle m'a parlé de la lettre Z qui correspondrait à un amant. Non, écoute, je te rappelle dès que je peux, d'accord? David? J'ai envie de toi, Maya. Demain soir, chez toi, à 21h. Ok? Je t'embrasse. Écoute, David, je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit plus. Je t'embrasse. Alors là, je crois qu'elle a compris. Alors, allô. Bravo. T'as pas vu mon bloc-notes? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, ça va. C'était qui? Ah, c'était Laurent, je suis de garde avec lui demain soir. Je crois que j'ai trouvé un mec pour Judith. Oh, c'est génial. Laisse tes mains accrocher mes soupirs. Elle dessine le chemin qui mène au désir. Je lève les yeux sur nous, le temps s'attarde. Plus doux seront les aveux. Si tu me regardes. Merci. Pourtant, c'était clair au moment où je me suis réveillée. T'es, hein? Ouais. J'étais dans les bras de David. Je me regarde dans la glace. Et c'était pas mon visage que je voyais. C'était le tien. Ta tartine. Mais ça, c'est à force d'écrire, ça. C'est ton imagination qui travaille trop. Tu vois, parfois, j'ai envie de dire bye bye à tout le monde. Et me tirer direct sur une île déserte. Bah moi j'ai trop besoin de mon confort, c'est ma voyante qui me l'a dit. Esther, faut que tu saches. David pouvait être moins prévisible, tu vois. Plus, je sais pas moi, plus sensible, plus romantique, moins. Non, en fait, je suis moins carré. Je suis pas une vraie amie quoi. Ce mec, tu vois, il me touche. J'aime sa maladresse. J'aime la façon dont il me regarde. Attends, de qui tu parles, là? Il est timide. Et nerveux, un petit peu. Comme moi. T'as trompé David? Je te parle de problèmes existentiels, toi, tu me parles de cul. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, où tu vas? J'ai rendez-vous chez un éditeur. Bonjour, Tata. Avec ce chapeau sur la tête? Et tu ne déjeunes pas? Mais j'ai pas faim. Il est très joli, ce béret. Bonjour, mesdames. Oh, monsieur Jules. Oh, bonjour, monsieur Jules. Bon, dis-moi, puisque je t'ai sous la main, lequel tu préfères? Non, mais encore des nouveaux faire-part. Je croyais que tu les avais tous envoyés la semaine dernière. J'arrive pas à me décider. Elle ne veut pas se décider. Oh, je t'en prie, toi. Hein. Bon, écoute, je dois y aller, maman. Hein? Dis-moi. C'est quoi cette tête que tu fais? Toi, tu t'es disputée avec David. Oui, on a même décidé de divorcer avant même de se marier. Oh, Leicester. Oh. Mais arrête de dire des bêtises. Tu vas te mettre l'œil. Bon, écoute, maman, tu me l'as déjà dit, hein? Alors ça suffit. À plus tard. Juste deux minutes. Bon, lequel tu préfères? Aucun. Voilà, je préfère aucun. Voilà. Mais comment ça, aucun?
Enfin, ils sont absolument magnifiques. Oh, mais c'est ton mariage, ma fille. Mais laisse-la, Gigi. Elle a autre chose à penser, c'est normal. Oh. Ben, ça, c'est sûr. Moi, je me casse la tête. Et mademoiselle a autre chose à penser. Bon, écoute, non, arrête, ça suffit. Hé, hey, ma chérie, regarde. Regarde ma robe pour ton mariage. Regarde la jolie tenue. Oh, oh, magnifique. Oui. Bonjour. Oh, Esther. Mais entre, entre. Ouais, merci. Ça va? Ah, tu veux un petit café? Non, merci. Oh, c'est froid. Mais je t'en prie, assieds-toi, hein. C'est un peu le bordel. Mais c'est le seul petit coin que j'y suis arrivé à trouver ici. C'est très intime. J'ai hésité à t'appeler et puis je me suis dit, finalement, mais, comme mon éditeur est toujours en recherche... Tu lis combien de manuscrits par mois? À 50 euros le manuscrit, bah disons juste ce qu'il faut pour nourrir mon fils et calmer mon banquier. C'est une version définitive, mais comme toutes les versions définitives, c'est pas définitif. Ça te va très bien. Pardon? Enfin, je veux dire ton béret. Ah, mon béret? T'es très... ça fait très... Enfin, c'est... T'es... C'est... C'est Alexandre, mon fils. Il ressemble à... Complètement à sa mère. Ben, sauf pour l'humour. Ça, c'est... Ça, il a hérité de moi. C'est... Et... C'est pas trop difficile à gérer la relation entre... Non, pas du tout. Non, Emma et moi, on a gardé de très bons rapports. Ah, excuse-moi. Allô? Ah! Tu dois avoir les oreilles qui sifflent, j'étais justement... Quoi? Mais attends, c'est... Mais pas du tout, mais c'est... C'est toi... C'est toi qui as insisté pour aller le chercher. Attends, mais t'aurais pu me prévenir plus tôt. Mais non, mais... C'est toujours en dernière minute. Non, écoutez, Emma. Quoi? Attends, à la patinoire, tout seul avec ses copains? Ok, bon, ça va. Ok, j'y vais. On y va? C'est à cause d'elle que tu voulais pas venir me chercher? Mais non, mais pas du tout. Non, disons plutôt qu'en fait, oui, c'est elle qui m'a d'abord appelé. Maman qui gonfle. Alexandre! Oui, j'arrive! Alexandre! On va y aller! Il a vraiment ton humour. Il est aussi très indépendant comme moi. Tu sais, je dis toujours, n'écoute personne, pas même tes parents. Tu te souviens quand t'essayais de m'embrasser dans le lycée? Oui. Mais tu te débrouillais toujours pour détourner la tête, hein. Tu sais, je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que j'ai des boutons sur les lèvres ou quoi? Mais non, mais je devais aller chercher ma sœur à la sortie de la maternelle avant qu'elle se batte avec tous les garçons. Et elle chante toujours aussi bien? Oui, tous les soirs, en ce moment, à la cave des Lombards. Waouh, j'aime bien cet endroit. Je suis sûre que tu t'entendrais bien avec ma sœur. C'est bizarre de penser que tu vas bientôt être mariée. J'imagine que t'es très heureuse. Oui. Oui, de toute façon, le mariage, si on n'est pas convaincu, c'est pas la peine. Et toi, t'étais convaincue avant de te marier? Oui. Bah, jusqu'au jour où elle s'est mise à plier mes caleçons, ranger mes chaussettes, fouiller dans mes poches. Un peu comme ma mère. Oh non. Non, plutôt comme la mienne. On va y aller! Tu sais, je dis ça à tout hasard, mais Alexandre va dormir chez sa mère ce soir. Alors si... Enfin, si... Je sais pas, si tu fais rien, je pensais qu'on pouvait peut-être se faire un petit resto ou... Enfin, j'en connais un super. Enfin, pas si tu veux, hein. C'est gentil. Mais non, je préfère rentrer. Ok, non, y a pas de problème. C'était vraiment un peu hasard. Bon. Des anges.
Toi, au moins, tu sais où tu veux aller. Hein. Moi ? Ben, un roman, un mariage. Et ton futur mari, il a lu ton manuscrit ? Oh non, non, il a pas le temps pour ça. Ah. Il est juif ? Il est médecin. Ben, t'es pas de garde ce soir ? Faut que tu me couves 3 heures cette nuit. C'est Angelina Jolie qui t'a fait replonger, j'en étais sûr ! Aucun rapport, c'est Esther qui m'inquiète, elle va pas bien du tout. Ça va aller. Je te jure, je fais le plus vite possible. Le jour où tu tombes sur la carte blanche, ça veut dire que c'est à toi de prendre une décision toute seule. Surtout quand j'ai vu arriver la tête de gigot au haricot rouge dans sa sauce suprême. Avec le recul, je me suis dit qu'on aurait peut-être mieux fait de l'adopter plutôt que de le manger. Là. T'as la permission de minuit ou... Ou quoi ? Ou... Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, c'est idiot ça ou quoi ? De toute façon, David est de garde toute la nuit. Ouais. Il travaille beaucoup, hein. Ouais, s'il travaille pas, il déprime. Voilà. C'est mon endroit préféré. J'adore venir ici souvent m'asseoir. Exactement là. Et je me pose des QSD. Des quoi ? Des questions super difficiles comme... pourquoi rester assis sur un banc alors qu'on va tous mourir un jour ? Enfin, moi c'est tranquille. Pas une voiture pour nous asphyxier. Tu vois, pour David, la voiture est la plus belle œuvre d'art qui n'ait jamais existé. Tu fumes, toi. Non, mais il paraît que ça me donne un air sexy. Je pense que c'est pas une bonne idée. T'as raison, excuse-moi. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Esther, où tu vas? Attends! Mais... Taxi! Merde, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est... Mais toi, t'as rien compris à la psychologie du personnage. Plus cérébral que ma sœur, y a pas. Je sais pas ce qui m'a pris. De toute façon, y a aucun regret à avoir. Mais je sais, elle se marie dans 3 semaines. Et surtout, t'as pas son style. Ah bon ? Elle t'a dit ça ? Oh, mais attends, c'est pas grave, oublie. T'as que ma sœur dans la vie. Oh là là, non, 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 non. Tu sais, depuis que je suis passé aux drogues dures, j'ai vraiment du mal à supporter les douces. Hein. Je crois qu'on va bien s'amuser tous les deux. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Bonsoir. Elle est belle, hein ? Ouais.
Plutôt pas mal. Son prénom, c'est Princesse. Oh. Elle vient de faire une pub pour des chocolats. Ah bon? Ouais. C'est bien, ça. Non, non. À poil avec du papier à lui collé au cul, tu trouves ça bien, toi? Moi, je suis faim, moi, écoute. Ouais, non, mais attends, moi, j'ai l'intention d'énoncer cette société qui ne fait que réduire l'individu à sa couleur, à son sexe, à son image, à son nom. Mm. Oh, mais tu rigoles. Je suis une mystique militante, moi, et je prendrai pas les manières de l'oppresseur. Ok. T'as sûrement raison. Bah oui. Ah oui. Non, mais je veux pas te choquer, mais je préfère être cash avec toi. D'accord? Dis, t'as rien contre les bisexuels libres de toute attache? Non. Non, je suis plutôt pour la liberté sous toutes ses formes. Merci. Parce que moi, j'ai rien à cacher, donc si ça t'indispose, je te retiens pas. Bah, moi, ça a le mérite d'être clair. Mais tu penses que... Non. Ce soir, je pense plus. Notre hiver est là. Approche tes lèvres. La nuit est notre sœur. Elle sait ranimer les fièvres et mêler les couleurs. Car nous sommes l'ombre et la lumière. Et notre âme est à ciel ouvert. Rien de mieux pour moi que toi. Et lorsque je qui m'emmène dans tes rêves, tes peines, toujours et encore. Laisse tes mains accrocher mes soupirs. Elles dessinent le chemin qui mène au désir. Je lève les yeux sur nous, le temps s'attarde. Plus seront les aveux si tu me regardes. C'est marrant, tout à l'heure j'étais ta tigresse et maintenant tu te barres comme si de rien n'était. Mais pas du tout. Écoute, c'est pas aussi simple. Être une tigresse ou un salaud? Je sais très bien que je te lâcherai pas comme ça. Faut vraiment que je m'en aille, là. Non, reste un petit peu. Non, faut que je m'en aille, là. Mais non, t'en as envie. Mais non, faut que je m'en aille, écoute. Et si je balançais tout à Esther? T'amuses pas avec ça, Maya. Espèce de salaud! Je ne reconnais plus personne. Oh, arrête, t'as vu ça? Je ne reconnais plus personne. Oh, arrête, t'as vu ça? Oh, Arlette Davidson. Déjà debout? Qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle va pas bien du tout, elle a pris une dizaine de Lexomil. Une dizaine, ça m'étonnerait, elle tiendrait pas debout. Puis je comprends pas, moi, elle travaille pas aujourd'hui, quoi. Alors là, c'est vraiment une caisse dé... Une quoi? Une question super débile. On est dimanche et le restaurant est toujours fermé le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui te rend agressif comme ça ou quoi? Non, c'est mon amant. Mais qu'est-ce que t'as? T'avais laissé sa boîte de Lexomil ou quoi? Et tu devrais la prendre avec moi, hein, ça te détendrait. Viens-la tout de suite. Elle est bonne. Mais crois-moi, putain, écoute-moi, c'est une catastrophe ambulante, cette Tana. Bon, allez, rideau, t'as rien à voir, comme je trouve toi. Je m'embête. Petite tartine? À quoi tu joues, là? Thé ou café? T'as ton cinéma, ouais. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que t'as, là? T'as décidé de foutre la merde aujourd'hui? Tu sais que t'es encore plus beau quand t'es énervé. Tu sais très bien que je peux pas tout lâcher comme ça. Comment tu peux faire ça, Esther? Pardon? Hein? Et si c'était elle qui se tapait un mec? Esther? Mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Tu joues les machos blasés, mais t'es qu'un lâche, comme tous les mecs. T'es complètement malade, Maya. Ouais, c'est ça, ouais. Malade et fier de l'être. Mais oh, tu vas te calmer un peu, là? Pour que tu te prends, là? Hein? Si tu l'aimes tant que ça, ta copine, pourquoi tu tapes son mec, alors? Excuse-moi. Je pète complètement les plombs. Putain, mais t'as pris combien de Lexomil aujourd'hui? Mais je sais plus, moi. J'ai besoin de toi. Appelle-moi ma tigresse. Plutôt 5 ou plutôt 10? 10? Mais je tiendrai pas debout, tu le sais très bien. Maya? C'est interdit de fumer, là. Tu peux pas fumer ici. Elle dort, là. Mais elle sera très vite sur pied. T'as même pas été foutu de t'occuper d'elle sérieusement. Quoi? T'es médecin, non? Je vais t'attendre dans la salle de repos. Ouais, vas-y, je te rejoins. Esther, alors, à une prochaine fois. Vas-y, Laurent, je te rejoins. Ouais, d'accord. Il est gentil, mais il est lourd. Tu sais qu'elle traîne ce truc depuis super longtemps. Et c'est fou ce que ça te concerne. Tu veux un conseil? Te fais pas trop de soucis pour ta copine. Je sais, tu me l'as déjà dit. Mais qu'est-ce qui se passe, Esther? Tu me dis rien, je comprends pas, moi. Comment je peux deviner ce que t'as dans la tête, là? Parce que ça t'intéresse ce que j'ai dans la tête, peut-être. Mais de quoi tu me parles? Faut que je réfléchisse. Vous êtes jalouse de votre sœur. Elle fonce et vous réfléchissez trop. Vous me trouvez trop cérébrale? Vous êtes le bon exemple de la famille, la fille parfaite, sans faille. Vous avez envie de changer de rôle. C'est normal. Je n'ai jamais voulu être comme ma sœur. Ah ben vous essayeriez ou vous ne pourriez pas. Hein. Depuis toute petite, sa liberté vous fait peur. Vous vous repliez sur vous-même, hein, vous vous mettez en retrait et résultat, vous projetez sur les autres ce que vous aimeriez faire, vous. C'est classique. Non, arrêtez de faire le contraire de ce que vous avez envie de faire. Hein, vous mettez votre amant dans les bras de votre sœur alors que c'est dans les bras de votre mari qu'il fallait mettre quelqu'un. Qui ça? Ma meilleure amie? C'est ni un mari ni un amant que vous cherchez. C'est l'image qu'il vous reste de votre père que vous cherchez. C'est classique. Ah non. C'est freudien. Non, mais vous croyez quoi, là? M'impressionner avec votre psychanalyse à 2 balles? Non, à 50 euros. Bon, vous êtes écrivain, alors prenez des notes. Non, mais moi, si je me marie pas, ma mère me tue. Chut! J'en appelle aux esprits de l'eau, j'en appelle aux esprits de la terre. Qu'ils entendent ma prière vers Adam et Esther. Qu'ils ouvrent leur cœur et qu'enfin... ils entament une relation sincère. Waouh! Hé! Ma chérie! Ah, bah, excusez-moi. J'ai plus de liquide. Magnifique! Oh, ça me ramène 30 ans en arrière. Te plaît pas celle-ci, chérie? Sur vous, c'est presque de la haute couture. En plus, elle n'a pas besoin de retouches. Elle est absolument... somptueuse! N'est-ce pas, chérie? Moi. Non, mais dis-moi, c'est quoi cette dette?
Toi, tu t'es encore disputé avec David. Mais c'est une obsession chez toi, David. Enfin, je te signale que tu vas, que c'est quand même avec lui que tu vas te marier. Oui, ben on verra. Comment ça, on verra? Faut que je réfléchisse. À quel jour du mariage? Non, mais je veux que tout soit parfait. Mais c'est jamais parfait, mon bébé. Moi, je rêvais d'un homme qui soit à la fois riche et distingué et qui m'amènerait au restaurant tous les soirs. Ton père, lui, il rêvait d'une blonde décolorée. Bon, ça ne nous a pas empêchés d'être heureux et d'être mariés pour le restant de nos jours. Oui, eh bien moi, ma voyante m'a déconseillé de me marier avec un mec qui m'appelle sa petite biche innocente. Non, mais de quoi tu parles? Quelle voyante? D'où elle sort, celle-là? Non, mais arrête, Gigi. Oh, mais de quoi je me mêle, toi? Hein? Une voyante chez nous? Mais où on a vu ça? Non, mais écoute, elle a raison. Elle peut peut-être trouver mieux, après tout. Mieux qu'un médecin? Ouais, ben quoi, oui. Non, mais dites-moi que je rêve. Mais t'énerve pas. Mais c'est un complot, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de changer d'avis. Changer d'avis? Enfin, ça fait des jours et des nuits que je me démène pour tout organiser. Et tu oses changer d'avis? Gigi, calme-toi. Oh, toi, tais-toi. Si on avait dû compter sur toi pour trouver quelqu'un, mais personne n'est jamais assez bien pour toi. La preuve, encore célibataire à son âge. Oui, seulement moi, je voulais être nonne. C'est ça. Une nonne juive, un spécimen rare. Mais qu'est-ce que tu voulais que je devienne, rabbin? Oh, non, mais... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu arrêteras de me dire qui je suis, ce que je dois faire et quel air je dois respirer, peut-être tu comprendras ce qui se passe. Bon, monsieur Enrique s'en va. Je suis vraiment désolée, monsieur Enrique. Oh, excusez-moi pour le dérangement, je suis... En tout cas, si jamais il lui reprend l'envie de se marier, vous pouvez ne pas se reproduire parce que la folie, c'est hérédité. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'arrive trop tard. Et attends, il y a Don qui est venu me voir à la cave des Lombards. T'avais vraiment raison. C'est un prince, ce mec. Je t'appelle. Que tu voulais plus me voir. Heureusement que ton copain Laurent s'occupait de moi. Laurent? Ouais, il a été adorable. Ouais. Tu sais que c'est un très bon médecin, Laurent. Aussi bon que toi? C'est pas sûr. Oh putain, moi j'étais dans la peau. Arrête. Esther. Je comprends plus rien au nana, moi. Vous voulez qu'on tombe amoureux de vous, une fois que c'est fait, vous acharnez contre nous? On s'acharne pas, on réfléchit. Oh non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Écoute, le jour où tu sauras vraiment ce que tu veux, tu verras peut-être plus clair. Parce que toi, tu sais exactement ce que tu veux, toi. Moi, c'est pas pareil, moi. Moi, je suis une instable, une déséquilibrée. Je te fais bander, mais tu pourrais pas me présenter à tes parents. Et puis en plus, je suis une fille à problème. Moi, j'adore les problèmes. J'adore que ce soit vraiment toi. Excusez-moi, docteur, je peux débarrasser? Je vous en prie. Ce soir, chez moi, à 22h. Si tu viens pas, je me tue. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien, c'est toi. Mazel Tov. Mariage avec ma sœur, alors, il est prévu pour quand? Ah ouais. On n'a pas arrêté de date. En tout cas, bravo. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas, tu vois, le titre, je l'aurais un peu changé. Un peu changé? Oui, bah, d'ailleurs, carrément changé. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu vois, c'est... si tu veux accrocher un éditeur, les anges, c'est un petit peu abstrait, non? Les anges champions du monde, ça te plairait? Ah ouais, ça c'est bien, ça accroche. Non, 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 c'est pas ça, c'est... Non, non, mais c'est bon, t'as pas aimé, c'est pas grave, je comprends. Attends, mais j'ai pas dit ça.
Non, c'est... Si tu veux, c'est que... Dans l'ensemble, ça... Ça manque un petit peu de sincérité, de... De profondeur. Mais où, par exemple, je sais pas, précise ta pensée. Bah, je sais pas... Cette histoire, là, de tromperie entre la femme super sexy du motard et le docteur, tu vois, c'est... C'est un peu rapide. Et du coup, on a un peu du mal à y croire. Ouais, bon, en deux mots, t'as trouvé ça nul. Mais non, pas du tout, c'est... C'est vraiment cette histoire qui est bizarre. Sinon, c'est vraiment bien. Non, c'est juste, c'est simple. Simple ? Non, ce que je voulais dire, c'est... Tu sais ce que je trouve flippant ? C'est de savoir qu'il y a des auteurs qui subissent la vie d'un type comme toi pour se faire éditer. Parce que franchement, appartenir ton petit stylo et critiquer le travail des autres, qu'est-ce que tu sais faire ? Moi ? Rien d'autre. Tu sais ce qui me touche ? C'est quand t'hésites. Quand tu t'en sors pas, quand tu te poses plein de questions comme maintenant. Tu sais, oui, et aussi quand tu lèves les sourcils, tu vois, et que tu sais plus du tout où t'en es. Là, par exemple, t'es en train de te demander si tu vas m'étrangler ou si plutôt tu vas me foutre une bonne petite droite dans la gueule. J'ai décidé d'annuler mon mariage. Quoi ? J'ai décidé d'annuler mon mariage ! Bébé, t'as appelé les urgences ? Attends, David. J'en ai rencontré des salopes dans ma vie, mais alors toi, franchement, tu dépasses les bornes. Non, écoute, je vais t'expliquer, j'ai pas pu faire autrement, il est arrivé en plein moment. Lâche-moi maintenant, vas-y, va te faire baiser par ton motard, là, c'est bien ça. Attends, deux secondes, là, qu'est-ce que t'es en train de dire ? Je t'oublie une chose, on est dans le même panier tous les deux. Je te dois rien, ok, alors tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme je veux, moi, espèce de taré, là. Ah ouais, c'est ça, vas-y, pour voir si t'as les couilles. Mais dis-moi, tu crois que tu vas pouvoir jouer à cette carrière pendant longtemps ? Hein ? Qu'est-ce que tu sais faire, toi, à part foutre la vie des gens en l'air, hein ? Mais quelle vie ? Ton mariage bidon avec ta gentille biche innocente ? Qu'est-ce que tu crois ? Elle attend qu'une seule chose, c'est de te prendre son pied avec un mec plus grand mentique que toi. Oh putain ! Dégage-toi ! Dégage, je vais te mettre ça dans la gueule ! Vas-y, dégage ! Vas-y ! Putain, ça me fait des bas ! Pauvre merde ! Médecin de merde ! Dégage ! Tu crois que t'as tous les droits ? Parce que t'as du fric et des diplômes ? T'es rien ! Laisse tomber ce tocard, bébé, viens. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? C'est rien, Madame Rosenthal, rentrez chez vous. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui. J'ai pas de café. Un thé au jasmin, ça ira? Parfait, thé au jasmin. Ok. Donc je t'aide à le faire? Non, non, c'est bon, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Bah, j'allais oublier de mettre de l'eau dans le bouilloire. Ça va pas, fais mal de tête. C'est Emma. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Ah, j'ai compris, elle va te ramener Alexandre. Pas de problème. Je vais y aller. Non, 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 non. Alexandre est chez ma belle-mère. C'est Emma. Emma? Oui, ben. Bah, je voulais t'en parler hier, mais je l'ai beaucoup revue ces temps-ci. Et elle est en pleine déprime. En fait, elle veut plus divorcer. Je comprends pas, je croyais que vous aviez déjà divorcé. Esther ne m'en veut pas, mais... Mais? Mais je sais plus trop où j'en suis. Mais ça change rien à ce que je ressens pour toi. Écoute, tout ça me paraît compliqué. Écoute, attends, comprends-moi. Tu me dis que tu vas te marier. Après, tu me dis que tu veux tout annuler. Emma, c'est quand même la mère de mon fils. Une séparation, c'est pas simple. Tu as raison. Je comprendrais très bien que cette fois-ci, t'aies vraiment envie de m'étrangler. Écoute, on se recroisera peut-être dans 15 ans. Esther, attends. Attends! Docteur? Oui. Elle veut vous voir tout de suite. Vous êtes là, docteur. Comment ça va aujourd'hui, madame Robert? Si vous saviez. Ça a l'air d'aller très bien. Pourquoi c'est si dur de partir? Oh là, oh là, oh là, oh là. Croyez pas que vous allez un peu vite, là? Vous me direz la vérité, n'est-ce pas? J'ai jamais eu l'intention de vous mentir, moi, je... Permettez-moi que vous ne m'abandonnerez pas. Mais bien sûr que non, je... Heureusement que vous êtes là. Vous êtes la seule personne sur qui je puis compter maintenant.
Moi, est-ce que j'ai foutu ce bouquin? Mais c'est à moi, ça. Esther, faut qu'on se parle. Oh, j'allais les oublier. Tiens, tu peux m'aider, s'il te plaît? Hop. Faut que je te dise un truc. Me voilà. Tu te rappelles? C'est celui que tu m'avais offert la première fois qu'on a couché ensemble. La petite biche innocente. Je suis pas parfait, Esther. Moi non plus. Bon, bah, je crois que j'ai rien oublié. Tiens, tu peux m'aider à le descendre, s'il te plaît? Mais je... Bon, bah, là, Esther. Tu fais quoi? Tu vas où, là? J'embarque d'abord mes livres. Je passerai prendre mes affaires plus tard. Bonjour les amoureux. Écoute, Esther chérie, j'ai bien réfléchi pour ta robe. Oh, j'ai trouvé un autre styliste fabuleux. Rappelle-moi vite. Bisous à tous les deux. Franchement, c'est elle la plus forte. Attends, tu peux m'expliquer ce qui se passe, là? Ou t'as l'intention de faire durer le suspense encore longtemps, là? Tu veux pas arrêter de fuir deux minutes, là? Hein? Je sais pas, moi j'estime que j'ai droit à des explications, là. Je t'ai menti. Je t'ai trompé. Je suis pas une femme pour toi. Moi, tu m'as prise pour qui? Pour la Vierge Marie. Mais attends, tu peux parler, toi? Se taper la copine de sa future femme la veille de son mariage. C'est un classique. Bon, ça va, je déconne, j'ai complètement déconné, mais je... Je sais pas, moi, on pourrait peut-être essayer de repartir sur des bonnes bases. Tu crois? Est-ce qu'au moins tu m'as aimé? Ah, oh, commence pas. Mais oui ou non? Pourquoi tu veux savoir? Mais arrête de noyer le poisson tout le temps, Esther. Réponds-moi simplement. Non. Pas du tout. J'en étais sûr. Et toi? Moi, oui. Espèce de menteur. Bon, ça va, la question mensonge, je t'en connais rien, toi aussi. Oui, c'est vrai, question mensonge, je me suis bien débrouillée. Mais putain, on a... On a tout foiré, quoi. Puis tellement t'étais moins déterminée quand t'étais encore une petite biche innocente. Tu regrettes la petite biche? Non. Ça ne te va pas du tout. Obligé de tout annuler. La salle, le traiteur, l'orchestre. Sans parler de nos robes. Jamais j'aurais cru que ça m'arriverait une chose pareille. Jamais. Oh, écoute, ça vaut mieux que de divorcer 3 semaines après le mariage. Oh, que Dieu m'en préserve. Bon, de toute façon, c'était trop précipité. Non, oui. Joseph, en bon ashkenaz, m'aurait dit « Gigi, ma petite oranaise, tu veux trop en faire. Prends ton temps. » C'est ce que ça veut dire, Maya, en Gujarati? Ça vient de quelle planète, ça? En quoi? En Gujarati? C'est la langue de Gandhi. Oh! Ça veut dire illusion. Comment dire alcu en Gujarati? Oh! Non, mais vous avez rien compris, hein? Ah! Moi, je suis super fière de toi. Pour une fois que tu fais vraiment ce que tu veux et pas le contraire, que tu vis ton instinct. Tu vois, quand t'es pas dans l'illusion, bah, tout s'arrange. C'est pour qui? Pour un pote. Livre magnifique. Que j'ai lu d'une seule traite.
la carte du ciel, du vent. Bon pour les dents. Je te dis non. Écoute, tu te laisses aller totalement. Tu ne penses à rien, quoi. Tu y vas, quoi. Tu vois, non? T'as jeté les cartes, tu ne veux plus rien savoir. Tu mets le contact, prête pour le départ. Les anges s'en mêlent, brouillard, la pluie de l'eau.